Hey Matt, c'est Bristol. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur 9-9. Donc, on a 10 minutes chacun, plus un incrément de 20 secondes joué par coup. Ça, c'est pour essayer de prendre le temps de vous expliquer pourquoi je joue tel coup. Donc, on se retrouve contre un joueur 3ème Q. On est 2 Q nous, donc on a blanc, avec 4,5 de commis. Ok, bon, ça, c'est OGS hein, qui choisit à peu près pour évaluer la différence de niveau. Donc, il joue en F7 en premier. On va jouer vers C4, donc là il s'établit dans cette zone. On essaye de prétendre de venir ici. Et voilà, directement il attaque. Il approche ma pierre, donc il retire une direction à cette pierre-là qui pouvait aller grosso modo vers la droite, qui pouvait aller vers le haut, et qui a un début de base de vide. Donc on pourrait dire qu'elle a trois directions. En lui en notant une ici, il attaque ma pierre. Il dit, regarde maintenant, si je t'enlève une autre, t'as qu'une seule direction, donc il m'imposerait son ligne de jeu. Donc là il faut que je fasse attention à cette pierre. Mais en même temps, en jouant E3, il commence à construire toute cette zone, tout le bord droit, même la moitié de Goban droite. Donc là, à moi de choisir. Est-ce que je réponds avec cette pierre ou est-ce que je vais attaquer envahir par exemple? Pour l'instant, on va jouer tranquillement. On va renforcer notre pierre tout en se disant qu'il y a encore la place de rentrer ici. Par exemple, si je viens là, en D7, donc là, je prétends prendre ce territoire-là. Il est plus petit que le sien, mais du coup plus solide parce que mes deux pierres sont plus proches. Donc là, j'essaie de faire ça, de protéger. Il attaque ma pierre, il retire une de ses libertés. Donc là, si on regarde bien, effectivement, lui aussi, il se retire une liberté en allant là. Hein. Il n'a plus que trois libertés, en D5, en E4 et en D3. Mais les deux pierres, qui ne sont pas tout de suite connectées, hein, parce que c'est en diagonale, c'est le Kosumi. Si un jour je joue en E4, il peut venir en D3. Si je joue en D3, il peut venir en E4. Donc on appelle ça une position mi-high. C'est équivalent. C'est si je joue l'un, il joue l'autre. Donc les deux pierres sont virtuellement connectées. Donc il attaque ma pierre, mais s'il se retire une liberté, ça va, il est quand même safe. Par contre, moi, effectivement, j'ai plus que C5, B4 et C3. Donc je vais aller chercher du secours vers ma pierre en D7. Je joue solide. Et en jouant ce nobi, je rajoute une ou deux libertés à mon groupe. En fait, là, après, j'avais une liberté en D5, une en C6, une en B5, une en B4 et une en C3. Donc j'avais cinq libertés au lieu de trois. Et je dis une ou deux parce que juste quand je dis ça, il a joué en C3, donc il retire une autre liberté. Maintenant, je me retrouve avec quatre libertés ici. Mais très proche de cette pierre, on est presque connecté. On voit que si je joue ici, par exemple, on se retrouve également en position de coup en diagonale, de Kosumi. Et donc on pourrait connecter d'un côté ou de l'autre. Ici, donc il retire une liberté et en même temps, si plus tard il joue en B3, il est quasi certain d'avoir tout ce coin. Donc ce coup-là a l'air important parce que à la fois ça prend le coin et en plus ça attaque la base de vie de mes pierres. Ça se glisse sous mes pierres. Donc je vais défendre. Et en défendant, je menace à mon tour de prendre le coin. Donc si je joue ici, et qu'il ne répond pas, je pouvais justement jouer ce coup en C2. On voit que les coups sont souvent les mêmes, les coups désirés. Par exemple, si ici il allait en G5 à la place de son C2, je pouvais moi-même aller en C2, et cette pierre-là aurait perdu sa liberté en haut, à gauche, en bas, donc aurait été en Atari. Et s'il jouait ailleurs encore une fois, je pouvais capturer en D3. Donc il aurait dû protéger et j'aurais pu aller jouer ailleurs. Donc ici, il ne veut pas de ça. Il protège très solidement. Et ici, ces deux pierres sont connectées en nobi. Et ici, il a une forme qu'on appelle la gueule de tigre. C'est une forme très puissante parce que si je veux aller à l'intérieur, par exemple en D3, je me mets moi-même en Atari et il peut me capturer. Donc là, virtuellement, enfin c'est plus que virtuellement, ces quatre pierres, pour le moment, sont connectées. Donc là, il est très solide. Par contre, avec son coup en C2 qui est très solide, il perd l'initiative. Il est goté. Donc je peux aller jouer ailleurs et par exemple s'il avait rajouté un coup en F5 ça aurait été très compliqué. Donc là il faut que soit que je vienne vivre à mon tour à l'intérieur, soit qu'au minimum je sépare ces deux formations. Donc si je veux séparer par exemple un coup vers F6 peut être sympathique. Et si je veux vivre directement chez lui, un coup comme G5 peut être bien. Il y a trois solutions. Il défend de ce côté, je peux venir m'installer en G7. Il défend de ce côté,
je peux venir m'installer en G3 par exemple. Et s'il recouvre, je peux juste jouer solide et essayer de vivre de ce côté. Donc normalement, ça, ça me laisse une pierre qui a trois directions. Donc elle est plutôt safe. On va aller ici. J'espère que mon adversaire, ça ne me dérange pas que je joue aussi lentement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les explications sont assez claires, si je n'ai pas tout dit ou dit des bêtises, parce que ça c'est arrivé par exemple dans la vidéo de Tsumego, c'était pas une bêtise, mais j'ai oublié une des solutions. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, ça aidera, ben ça m'aide, et ça aidera ceux qui regardent la vidéo plus tard aussi. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a les trois coups, hein, soit stoppé par ici, soit stoppé par là, soit empêcher que je vienne connecter mes pierres, par exemple. En tout cas, cette pierre, elle vient dire non, tu ne feras pas tout ce bord droit. Si je ne joue pas par là, j'ai juste perdu, quoi. Autant abandonner. On remarque qu'ici, j'ai laissé la situation telle qu'elle. Effectivement, s'il va en B2, ça menace quelque chose d'assez gros. Imaginez une pierre noire ici, et que je joue ailleurs. Après, il peut aller en B4 et capturer ma pierre. Le seul endroit où je peux fuir, c'est aller en A3, et il descend en A4, et même si je vais en A2, il capture mes trois pierres en devenir. Donc ça, c'est un coup quasiment senté en fait, le B2. J'ai envie de répondre en B4 pour protéger justement ma faiblesse. Attention, ne descendez pas en A3 s'il joue B2, parce qu'après il peut continuer en A2, et encore une fois il menace de capturer nos deux pierres en B4. Donc il pourrait fermer tout le bord senté, en gardant l'initiative. C'est pour ça que très souvent, quand l'adversaire vous joue un coup vers B2, dans cette configuration-là, et que vous devez protéger d'une façon ou d'une autre, très souvent ça va être B4, et si vous avez un problème de vie, des fois ça va être A4, pour essayer, ben c'est encore une fois la gueule de tigre, et c'est pour essayer de voir des yeux assez rapidement, en l'occurrence ici en B4. Donc il protège de ce côté, du côté de son groupe fort, d'accord. On va venir s'installer vers G7. Donc là, on agrandit notre base de vie tout en respectant la règle de coin bord centre. C'est dans le coin qu'on va trouver la vie le plus facilement. Ici, il attaque notre pierre. On va la défendre. Et là, il a deux problèmes. À la fois H8 et à la fois F6. On ne peut pas jouer les deux. S'il jouait H8, je pouvais aller en F6 et il perdait tout espoir de connecter ses pierres. Mais en même temps, en allant ici, je peux venir là et menacer exactement la même chose qu'avec le coup B2 pour lui. On va faire ça. D'abord la base de vie. Même s'il peut... il vient en D8. Je ne suis pas forcément très fan. Je pense que pour lui, ce qui était déjà très bien à la place de D8, c'était de protéger sa faiblesse ici en allant en E8 par exemple. Ce qui à la fois a protégé, je ne pouvais plus venir en F8 comme maintenant pour capturer sa pierre. Si je viens en F8, c'est exactement la même configuration qu'ici. F8, s'il descend, je vais en F9. Et s'il continue en H9, je capture les trois pierres. Donc ça, ça capture sa pierre. S'il avait joué en E8, je ne pouvais plus aller en F8. Car à cause de la gueule de tigre qu'il y aurait eu, je me faisais capturer directement. Donc, je comprends l'idée de son coup en D8, c'est pour rentrer dans le coin, menacer et en même temps protéger un peu ça. Mais avec un coup en E8, à la fois il protégeait ça et donc mettait un peu plus de pression sur ces pierres-là, parce que je pouvais perdre de la base de vie rapidement. Mais en même temps, si je protégeais en jouant par exemple H9, après son E8, il pouvait sauter directement en C8. Alors que là, je peux protéger, tout en me disant, c'est pas grave, il me reste F8 derrière. Donc là, il revient, et finalement, si on compare, s'il avait été ici dit tout de suite, et que moi j'avais protégé ce que je vais protéger d'une manière ou d'une autre à propos ici, il aurait pu sauter en C8, et maintenant il peut plus. Donc c'est un petit peu dommage. Et là, il faut que je vois qu'est-ce qui est le plus important pour moi entre un coup vers H9, G9, ou venir par ici. Et a priori, ça, c'est des coups sur la première ligne, alors que là, on est sur un coup sur la deuxième ligne qui menace de réduire encore son territoire. Donc un coup par ici a l'air quand même intéressant.
Si je continue, c'est assez gros. C'est encore un coup sur les deuxièmes lignes. Donc là, il y a de fortes chances qu'il défende son territoire. Après, on peut monter. Et il faudra que je revienne par ici un moment. On va monter déjà. Mettre un petit peu de pression. Il protège. On va... Faut que je fasse attention à ma vie aussi ici. Parce que là, il y a une petite faiblesse. C'est si je joue en H9. Non, ça ne marche pas pour lui, j'ai cru. J'ai cru que ça ressemblait à une situation qui est assez classique, c'est si je joue ailleurs, et qu'il vient en H6. Quand je protège ici, il y aura souvent des situations quand l'adversaire ensuite va en H5, ça marche pour lui. Mais là, je peux capturer ces deux pierres. Donc mon H7 permet quand même de protéger un peu cette zone. Ok. Dans ce cas-là, ça donne envie d'aller en G9. Pourquoi est-ce que je ne coupe pas ces deux formations? Effectivement, ici, il y a un coup en diagonale, donc un coup en Kusumi, encore une fois. Et j'ai déjà complété d'un côté. Donc si je joue de l'autre côté, après oui, il ne pourra plus connecter ses pierres. Oui, mais à ce moment-là, il fait Atari D6. Et si je réponds en E7, il peut capturer mes trois pierres en C7. À chaque fois que je vous montre des séquences comme ça, n'hésitez pas à prendre le SGF en commentaire et à regarder de votre côté. Ça peut être peut-être plus facile. Donc ici, je ne peux pas vraiment couper. Au maximum, je peux faire ça qui protège un petit peu mon territoire à gauche. Est-ce que je le fais tout de suite? Comme ça même. Non, c'est aussi bien comme ça. Ce qui menace de couper. Et ici, il n'a pas de place pour faire deux yeux. Et après, j'ai plus de liberté que lui. Donc ça peut être intéressant. Il va connecter. Et ensuite, je protège d'une manière ou d'une autre ici, en H9 ou en G9. En fait, G9 est très tentant. Mais il faut savoir que plus tard, si là il va protéger, et si je joue ailleurs, il pourra jouer H9. C'est un suicide, hein, bien sûr, bah, il va se faire capturer. La différence, c'est qu'ici, il y aura des pierres blanches du coup un jour. Je devrais jouer en H9 aussi, j'aurais joué en J9. Et du coup, maintenant, la base de vie, c'est J8, J7, J6, H6, voilà, c'est cette zone-là. Alors que si je joue en H9 tout de suite, j'ai aussi J9 dans ma base de vie. Et des fois, ça peut servir pour espérer faire deux yeux. Donc l'Atari est tentant. Mais du coup, il faut que je revienne. J'imagine. Déjà, on va faire Atari. Je pense pas que ce soit mauvais de faire ça. Il va protéger ou lancer un coup. Ou alors, il va dire, il y a plus gros. On est d'accord? Dans ce cas-là, moi également, je vais jouer ceci. Si je réponds à son coup, après, il peut prendre tous les coups qui sont sentés. Donc là, je vais essayer de ne pas le répondre à son coup et de jouer même un coup que je prétends senter. Et s'il capture la pierre, je joue là, il capture et je peux rejouer ailleurs. Donc je protège. Et là, il a le choix. Ok, il préfère protéger que protéger cette pierre. Et là, s'il revient maintenant ici. C'est bien différent. Parce que si j'avais protégé tout de suite, il aurait pu lui-même venir en J4. Je protégeais et il jouait en J3. Il avait deux points de plus là où sont les deux pierres noires. Alors que là, j'ai pu faire ma petite séquence et ensuite je peux revenir. D'ailleurs, ce qui est tentant, c'est peut-être de capturer ça. Il va connecter ici. Et ensuite protéger mes pierres. Il faut juste que je regarde qu'est-ce que ça donne ensuite s'il attaque mon groupe. On remarquera que sa défense ici est un petit peu particulière, G2. Très souvent, dans les coins comme ça, le coup le plus classique sera H1. On voit directement les deux yeux en H2 et en J1. Alors que là, imaginons, il n'y avait pas grand-chose de ce côté-là. C'est une forme en 3. H1 pourrait permettre de tuer s'il y avait eu des problèmes par ici. C'est des petits détails, mais c'est des habitudes de jeu quand même à prendre. On va capturer cette pierre. Ça nous garantit la vie ici. Il connecte. Et là, il nous reste 2 minutes 30. On peut compter les points pour voir est-ce qu'on protège par là ou en fait ici il y a une petite faiblesse vers B8. Si je descends, il peut aller en B7.
je connecte, il peut aller en B6, et on sait pas trop au niveau des libertés, c'est quand je viens là. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de jouer à ça? Ou est-ce qu'on défend ici, il prend la pierre, on sacrifie, et après on est vivant? Ça dépend combien de points on a. Donc 1, 2, 3, 4, 5, quand il poussera tac tac, on a 6, 7 points ici. Si je viens là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, parce qu'on devra peut-être encore rajouter un coup derrière. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points. 19,5. 20,5 avec la pierre capturée. Ok. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 le point en dessous. Bah ça va pas l'air de suffire pour lui. Donc au lieu de chercher les complications ici, on va plutôt protéger comme ça et dire c'est suffisant. Il n'a pas encore capturé la pierre, donc normalement, si je me suis pas trompé dans mon calcul, n'hésitez pas à me le dire ça aussi, hein, si je me suis trompé. Donc il joue là, et là j'ai compté que oui, il vaut mieux que je rajoute un coup par ici. Il vient de ce côté. Ah, je n'ai pas compté ces deux points. Est-ce que je me suis trompé? Il pousse. On protège. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20,5. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, même s'il avait joué là, c'était pas suffisant. Donc ça suffit pour nous, effectivement. Et en plus, il n'aura pas tous ses points parce qu'on peut avancer ici. Bien sûr, on pourrait protéger là, parce que si lui-même il joue en D5, ça menace de faire double atari sur ces deux pierres-là et ces trois pierres-là. Imaginez une pierre noire ici. Si ensuite il joue en C6, ça mettrait en atari ces deux pierres. Mais en même temps, ça mettrait en atari ces trois pierres. On ne pourrait pas sauver les deux. Mais quand il y joue, on répond, donc on perd un point. Alors que si je joue là, on sauvegarde ce point. Mais ensuite, lui, il joue en F4 et il sauvegarde deux points ici. Qu'on peut détruire maintenant comme ça. Donc c'est plus intéressant. Il y vient. On répond, il protège. Et on peut encore retirer un point en jouant en E4. Parce que plus tard, toutes ces pierres-là pourraient être mises en atari. Donc là, il vient ici. Et en plus, si je joue en E9, il ne pouvait pas venir en D9. Parce qu'il se mettait en auto-atari. Donc il aurait dû connecter et je pouvais connecter au-dessous. Donc c'était pas mal. Ça faisait un point de plus en F9. Si vous voyez bien deux pierres blanches ici, il y aurait eu un point de plus. Donc là, il fait bien de connecter. On va jouer les damés, c'est les coups qui ne servent à rien. Comme sur un vrai goban, en fait, comme sur un vrai plateau. On joue ça pour compter plus facilement. Hop. Et là, il va passer. Parce qu'il n'y a plus rien à jouer. Toutes les frontières sont fermées. Et je vais passer également. Il vient de compter et a abandonné à la fin de partie. Parce qu'il voit que je gagne de 3 points. Voilà. Donc effectivement, il a perdu un point de plus ici, mais il a pu retirer un là. Donc je dois avoir... ça doit être 20 à 17 ou 18 à 21, quelque chose du genre. Mais à 3 points de différence, voilà. Donc voilà, j'espère que la partie et les explications vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Et encore une fois, hein, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, des suggestions, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, tout ça. J'essaie de faire avec la vidéo de Tsumego précédente, que je vais mettre là à côté, tiens. N'hésitez pas, j'essaye de faire des vidéos qui sont un peu plus orientées débutants. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse davantage ou si vous êtes tous en fait 4Q et que ça sert à rien peut-être. Aussi, c'est possible. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, 1, 2, 3. Et je vous dis à dimanche. Salut.